Yo les gars, c'est Phoenix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Rose Season. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo sur ce jeu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est la... comme tous les ans, il y a la nouvelle mise à jour Noël. Mais cette fois-ci, elle est en deux parties. Je sais pas si l'année dernière, elle était en deux parties ou une partie, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas... La première partie c'était pas très intéressant, tu vois, il y avait juste des objets de Noël quoi, comme tous les ans, c'est tout le temps les mêmes, tu vois. En tout cas, là, il y a toujours le festival avec les cadeaux qui ouvrent tous les jours, je crois. Il y a des nouveaux objets et une nouvelle voiture, ça c'est bien les gars, même si j'aurais voulu des motos, enfin des deux roues quoi, parce que les voitures on a déjà assez, je trouve. Mais ça change un peu. Enfin, on verra ça après, puisqu'on ira l'acheter bien sûr. Et après, des nouvelles activités pour la neige. Donc c'est parti les gars. On va d'abord regarder les objets. Alors, qu'est-ce qu'on a? Comme vous pouvez le voir, ici, les trucs de saison, c'est comme l'année dernière, ça n'a pas changé. Ça devient lassant, hein, je trouve. En tout cas, ils ont ajouté des nouveaux... objets. Ah, c'est un tapis. Merde, je crois que c'était une manette. Oh, dommage. Je sais même plus s'il y a des manettes dans le jeu. Oh merde, c'est dommage un peu. Hein. Enfin, peut-être qu'après tu peux le rendre un peu comme une manette. Enfin, ça dépend de la taille, on verra. Enfin, je sais pas si je l'achèterai maintenant. Ok, ça c'est une cheminée, du sucre, pardon. Des lampes et un jouet. Ouais, ok. C'est pas ouf, mais vas-y. Donc là, les gars, on va directement acheter la petite voiture qui est apparemment inspirée de la Bugatti. Donc c'est parti, on va aller l'acheter directement. Et j'espère qu'elle coûte pas si cher, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai plus beaucoup de thunes. Même si j'ai un peu rattrapé. Hein. Attention. Alors c'est... la Chimera, il me semble. Ouah, 240 000. 240 000. Attendez, changer les couleurs. Est-ce que je peux la mettre full black? Est-ce qu'elle est belle full black? Je sais pas, en vrai. Je sais pas du tout quelle couleur mettre. Hein. Ouah, blanche. Oh, blanche. En vrai, blanche, il y a un truc, je trouve. Je trouve qu'en blanc, il y a un truc. Vraiment. Mais je sais pas, j'ai envie de faire full black. Je sais pas, en ce moment, j'aime bien les voitures full black. Donc je pense que je vais prendre ça là et puis je modifierai au tuning là, je sais plus comment ça s'appelle, le garage. Bref, waouh. Waouh, j'ai pris cher. Waouh, j'ai pris extrêmement cher. Waouh, non, en vrai de vrai elle est agressive un peu. En vrai de vrai elle est pas mal hein. Waouh, non, vraiment elle est très très belle. Est-ce qu'il y a, ouais, il y a que deux places comme la Jaguar du coup. Tu montes un jour? Oh non. Me dis pas que la voiture elle est buggée. Ouah. Oh non, c'est juste moi qui est buggé. Attendez, on va voir le klaxon. Ouais, c'est le même pour tous les véhicules de base. Donc ouais, en vrai de vrai elle est pas mal hein. Je t'avoue que je la kiffe plutôt bien. On va voir si elle tient bien la route. On va voir à combien elle peut aller. Bon, par contre là on voit rien du tout. Je crois qu'il y a du brouillard ou je ne sais quoi. Bon, en tout cas je viens de le remarquer, mais il n'y avait pas de neige avant sur les arbres, hein, il me semble. Donc là, c'est les activités pour la luge, là. Il n'y a pas une ligne droite quelque part? Ah ouais, l'autre côté. Ouais, bon, c'est pas grave. On va essayer de la faire là. On va essayer de la pousser au maximum, les gars. Ouais, c'est parti. Wow. Wow. Et attends, elle monte. Hein. Je pense qu'elle peut aller au-dessus de 400, je dirais 430 environ. Je peux. Enfin là, j'ai pas de ligne droite. Ouais, j'ai pas. Ouais, il y a juste là, je peux la faire, mais ça va être chaud. Hein. On va voir jusqu'à combien elle peut aller, mais elle est incroyable, je trouve. Elle est belle. Je suis tombé amoureux, c'est bon. Donc là, on va partir d'ici.
Allez, où je reste droit. Hop, mon vol dans le décor. Ok. Ouais, 400, hein. 400 les gars. Enfin, je crois avoir vu 400, mais je suis pas sûr. Hein. Mais elle va au-dessus de 400. Hein. Je crois que c'est la voiture la plus rapide du jeu. Hein. Il me semble. Hein. Bref, après, il y a quoi d'autre, les gars? On va directement aller faire un petit tour ici, là. Au petit festival. Bon, en tout cas, elle est belle gosse, la voiture. Hein. Je la kiffe. Hein. Oh, par contre, je sais pas conduire. Ok. Ouais, il y a toujours la patinoire. C'est toujours le même, hein, je trouve. C'est toujours pareil. Il y a toujours la voiture en vente là-bas. Là, tu peux acheter des trucs, il me semble. Du coup, on va directement aller voir les cadeaux. Mais si c'est comme tous les ans, c'est des cadeaux d'éclater, genre des objets que tu peux acheter toi-même. Ok. Cadeau 2022, les gars. C'est parti, on ouvre ceci avec vous. Suspense. Ok. Ouais, c'est les objets que tu peux acheter, quoi. Mais merci. Ici, c'est toujours pareil, la maison du Père Noël, ça sert à rien, mais vas-y, tranquille. Faudrait qu'ils investissent un peu. Faudrait qu'ils changent un peu le festival, quoi, qu'ils changent un peu les thèmes et tout. Parce que c'est tout le temps la même chose, c'est lassant au bout d'un moment. Déjà que la map, elle est assez grande, tu peux faire plein de trucs. Mais ouais. Bref, il y avait quoi d'autre? Il me semble qu'il y avait que ça. Je vais vite fait voir les vêtements. Puisque du coup, la première partie, je l'ai pas découvert du tout. J'avais fait une petite pause du jeu parce que ça m'intéressait plus du tout. Mais là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle voiture et je me suis dit, vas-y, on va aller faire un petit tour. Donc, on va parler à Écarlate. Ok, Écarlate. Sympa comme nom. Oh, ok, et ah ouais, d'ailleurs, les gars, par rapport à la dernière vidéo que j'ai sortie où je disais que ouais, je m'en rappelais pas si on pouvait aller au-dessus de 7, bah maintenant ils ont ajouté plus. Je sais pas c'est quoi la limite, mais tu peux avoir plusieurs tenues, ça c'est bien, c'est vraiment bien. Ils ont rien ajouté. Bah après, il y a des trucs de Noël quoi, mais bon, on va acheter quand même hein, vu que c'est limité, les gars. Acheter que ça, non, même ça, j'achèterais même pas. Ouais, non, en vrai, j'aurais dû acheter que ça. Ça, c'est plutôt bien, ouais. Le petit truc de Noël, c'est bien. Hop là, on achète tout ça. Après, vêtements, on s'en fout. Ouais, oh, attends, Baby Yoda. Ouais, si on s'en fout un peu, ouais, bref, tout le temps les mêmes trucs, de toute façon. Ouais, j'ai un petit bug, ok, c'est bon. C'est tout le temps les mêmes trucs, de toute façon. Il me semble que. Ouah, je prends la porte dans la gueule. Il me semble que c'est tout. En tout cas, le seul truc intéressant dans cette mise à jour, sans vous mentir, c'est la voiture. Elle est incroyable, par contre. Ouais, il faut apprendre à la conduire, quoi. Mais elle est incroyable. Malgré le prix, hein. Le prix, il fait mal au cul, hein, je te le dis. Il me fait très très mal. Wouah. Ouf, la map, elle a pas... Ok, la map, elle a pas supporté du tout. J'étais un peu trop vite. Donc, bref, les gars. C'était une petite mise à jour, comme tous les ans, tu vois. Tout ça la même. D'ailleurs, j'ai pas fait une vidéo sur la mise à jour d'Halloween parce que c'était tout ça la même chose. Comme l'année dernière, ça servait à rien du tout que j'en fasse une. À part raconter toujours la même chose, je voyais que ça. Donc, bon, les gars, ça va être la fin de cette vidéo. Voilà, petit coup de cœur cette voiture. Bon, je vais aller la tuner un peu, tu vois. Juste changer la couleur des roues et tout. Hein, bref. Sur ce, les gars, c'était Phoenix. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et puis, ciao tout le monde.